Son fils a perdu une jambe parce qu'elle refusait de payer les soins, et pourtant elle était incroyablement riche. Voici l'histoire de Etty Green, surnommée la sorcière de Wall Street. Elle a réussi à devenir l'une des femmes les plus riches du monde grâce à ses compétences en affaires et en investissement. Mais Etty était également connue pour être radine, elle n'a jamais eu d'eau chaude pour économiser de l'argent, et portait toujours la même vieille robe noire jusqu'à ce qu'elle soit complètement usée avant de la changer. Elle ne lavait ses vêtements que lorsqu'elle avait des taches et ne mangeait que des tartes à 2 centimes qu'elle allait acheter à pied à l'autre bout de la ville. Elle a même refusé de se faire opérée d'une hernie parce qu'elle ne voulait pas payer 150$. Malheureusement, cette radinerie s'est également étendue à sa famille. Son fils a perdu sa jambe parce qu'elle a refusé de payer les soins médicaux et a cherché des soins gratuits à la place. Ses techniques de rat ont porté leurs fruits puisqu'elle était incroyablement riche à sa mort en 1916. Avec une fortune estimée à l'époque entre 100 millions et 200 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars. Même Picsou est choqué. Mais oui, c'est clair.